فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية. يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais, au nom du Khalife général des Tidjanes, vous faire l'économie du message extrêmement important qu'il vient de délivrer à l'adresse de la nation sénégalaise tout entière, à l'occasion du nouvel an musulman qui vient de déchoir, mais également dans le contexte extrêmement chargé dans lequel se trouve le peuple sénégalais, tenant compte de la situation d'extrême inquiétude, de la situation liée à la pandémie du Covid-19. Dont nous savons les effets très éprouvants qu'elle a eu sur le peuple sénégalais de manière générale, et pour lequel il était important que sa voix soit entendue, parce que incarnant la voix de l'espoir, l'espoir d'un homme qui a décidé de poser son pas sur celui de ceux qui l'ont précédé. Naturellement, ses pères et maîtres, naturellement, celui de son grand-père, Sidi Hajj Malik, radiallahu anhu, qui, dans des situations similaires, avait l'habitude de poser des actes qui rassurent, de prononcer des paroles qui tempèrent. C'est dans cet esprit qu'il a adressé son message à toute la communauté musulmane du Sénégal pour leur présenter ses vœux les plus sincères, mais également à l'endroit des autorités public du Sénégal, notamment le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, et son gouvernement, pour les efforts déployés pour trouver des solutions aux problèmes auxquels le Sénégal est confronté, de la même façon que le monde entier l'est, pour que cette pandémie soit vécue avec plus de résilience, parce que, comme il l'a souligné dans son discours, il n'y a pas de solution à l'heure actuelle par rapport à cette pandémie, il n'y a que de la résilience. Et c'est donc dans cet esprit qu'il a convié la nation sénégalaise à cette résilience, tenant compte des orientations et des recommandations qui ont été données par les hommes de l'art, les hommes de science que sont les médecins, qui naturellement n'ont pas eu de répit depuis, pour amener les gens à être plus conscients des menaces que comporte cette pandémie, et dont seul le respect des recommandations qu'ils ont données peut permettre de le surmonter. Et l'une des recommandations les plus importantes, et je dirais même l'une des solutions les plus probantes qui sont entre nos mains,
et la vaccination. Et donc, il a fait un appel aux populations pour les inviter à se faire vacciner comme lui-même a eu à le faire et a incité sa famille à le faire. Puisque c'est la seule solution qui existe aujourd'hui, il invite le peuple sénégalais de taire toutes les spéculations concernant cette vaccination, parce que la vaccination n'est pas la solution finale, mais elle nous permet de ne pas tomber dans la fatalité d'une aggravation de la maladie lorsqu'on en est touché. Le Khalife général de Tidiane invite donc les populations du Sénégal de respecter cette consigne des autorités sanitaires et d'aller se faire vacciner de la meilleure manière possible et de manière disciplinée, tenant compte des dispositions prises par l'État du Sénégal pour faire en sorte que cette vaccination puisse atteindre le maximum de personnes. Le Khalife a également insisté sur la nécessité de faire un retour à Dieu, tenant compte un peu de la responsabilité de chacun par rapport à cette situation. D'abord, en faisant notre examen de conscience qui permette à ce que, évidemment, tous les maux, toutes les tares qui sont en nous puissent être expurgés pour un retour vers les recommandations et les enseignements de la religion musulmane. Sortir ce qui est mauvais en nous en termes de comportement. Il a cité, donné des exemples par rapport à ce qui se passe de manière générale dans nos rapports les uns les autres. Le manque de respect, le manque de hurma, comme on a l'habitude de le dire entre nous, qui fait que chacun s'étripe, chacun met en avant son bon vouloir au détriment de l'intérêt général. Donc le calife invite les populations à un examen de conscience pour que chacun, en ce qu'il concerne, puisse voir les comportements les plus adéquats à avoir pour que la construction nationale à laquelle on aspire puisse être une réalité, notamment dans le respect de la parole, dans le respect de l'intégrité de chacun, dans la promotion de la bonne parole, dans la promotion des paroles qui apaisent, des paroles qui construisent, éviter la polémique. Il a donné l'exemple de ce qui s'est passé auprès des élites, souvent qu'on voit très souvent au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on voit des députés qui sont les porteurs de l'espoir, les porteurs des aspirations des populations, s'agripper, s'étriper et qui donnent une image très très négative de notre démocratie et de la façon dont les gens devraient collaborer entre eux pour que cette nation puisse se construire de la manière la plus adéquate possible. Le calife a également insisté sur la nécessité de d'encourager, dans le cadre justement de la lutte contre la pandémie, d'encourager les médecins dans leur effort pour sauver des vies, en nous-mêmes prenant en charge toute la responsabilité qui nous sied, cette responsabilité individuelle, d'éviter en tout cas les gestes à risque, notamment les rassemblements, de respecter les gestes barrières, de porter les masques, de se laver les mains,
il a insisté là-dessus pour aider les médecins et un peu attendrir un peu leur charge, parce que cette variante qui nous est venue dernièrement, ce mutant qu'on connaît sous l'appellation de Delta, est un virus beaucoup plus virulent et qui nécessite que chacun en soit plus conscient et prenne en charge en ce qui le concerne sa responsabilité de respecter toutes les recommandations qui ont été données. Le Khalifa en a profité également pour présenter ses condoléances aux familles des disparus qui ont disparu dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et présenter ses condoléances à leurs familles. Mais également, il a surtout présenté ses condoléances aux deux figures emblématiques de l'islam que sont le Khalif général des Laïen, Abdoulaye Tchaoulaye, qui nous a récemment quittés, mais également Serigne Abdourahim Seck, et a prié pour le repos de leur âme en présentant ses condoléances les plus attristées à leur famille et à leur communauté. Il a également salué et encouragé les khalifs généraux qui ont été récemment portés à la tête de leur communauté en priant pour eux, pour que leur mission puisse être une réussite à la tête de ces communautés-là. Mais également, il en a profité pour présenter ses voeux à tous les chefs religieux du Sénégal, tous les califes généraux, en priant pour eux à l'occasion de la fête du Nouvel An. Voilà, de manière assez ramassé, le message que le Khalif général de Tidiane Serigne Aboubakar Si Mansour a voulu délivrer, que nous avons tenu à résumer en français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allahu Rabbana, إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية.